Algérie qualifiée à la Coupe du Monde, est-ce que tu peux souhaiter aux Algériens la bienvenue au Brésil l'année prochaine? Bien sûr. J'espère non, que tout ça passe bien, qu'ils vont qualifier non, et venir au Brésil pour jouer la Coupe du Monde. Bonne chance. J'espère que tout ça passe très bien pour les autres. Ok, merci beaucoup. tu penses quoi de la sélection algérienne? Les DZ sont en force. Ah oui, Tahit Jazair, mon pote. Qu'est-ce que je pense de la sélection d'Algérie? Ben, non, fier que mon pays d'origine il soit champion d'Afrique. Ils ont trouvé un vrai entraîneur qui arrive vraiment à tirer la quintessence de toute l'équipe, tu as vu? Passé par l'OM aussi. Passé par l'OM. Et franchement, j'attends de voir la Coupe du Monde. Ce serait bien qu'un pays africain, tu vois, un peu plus loin cette fois-ci. Et je pense qu'ils l'ont. Quand je vois la Coupe d'Afrique, honnêtement, offensivement, ouais, elle a un potentiel extraordinaire, cette équipe. Après, défensivement, c'est peut-être pas la plus grande équipe, mais ils mettent les tripes et tout. Donc, non, j'aime beaucoup. Tu connais un peu le parcours de l'équipe d'Algérie? Je ne connais pas beaucoup, mais un petit peu que je connais. Je sais qu'on a une équipe de qualité, avec ce joueur qui joue très bien. J'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de technique. Parfois, il fait des choses incroyables. Et je ne connais pas beaucoup, mais j'espère qu'il pourra arriver plus loin possible parce que c'est une équipe qui joue bien le foot. Une équipe joue bien le foot, je pense qu'il... Et tu penses qu'il y a... les chances de passer au second tour du mondial. Yazid Aït Mahieddine l'a suivi. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Viva! Un hymne scandé par LPB d'Oro ou le gamin en or, Diego Armando Maradona. Il est resté impressionné par l'amour que portent les Algériens à leur pays. Je suis un révolutionnaire. J'admire le peuple algérien pour ce qu'ils ont fait pour leur évolution, pour leur liberté. Et je les admire aussi, j'admire le peuple algérien pour leur amour au drapeau et à la nation. Et moi, j'aime ce sentiment. Cette première visite de Maradona en Algérie est venue pour booster le lancement de la 3G à l'invitation de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis. C'est ça. Non, jamais. Oui. On va parler de votre choix par rapport à l'équipe d'Algérie. Aujourd'hui, beaucoup, enfin tout le monde le savent, vous avez des origines algériennes, mais aussi vous avez la maman marocaine. Qu'est-ce qui a pesé sur cette décision-là pour choisir l'Algérie par rapport au Maroc? L'Algérie, voilà, c'est le pays de mon père, du cœur. J'ai toujours joué en Algérie, j'ai toujours été en Algérie, tous les ans avec mon père, voir ma famille, dans mon village. J'ai toujours aimé aller là-bas. C'est là-bas que je me reconnais, je suis un Algérien à 100%. Ma mère est marocaine de sa mère, mais algérienne de son père. Donc je me considère comme un Algérien. Donc il n'y avait aucune chance pour le Maroc? Algérie à fond. Merci mon frère. Wallah, je l'ai acheté de l'Algérie pour lui. Il a dit que le bon Dieu nous a réunis ici pour donner à monsieur et ton fils. Je vais le faire signer par mon frère Marez. Kadi, l'Algérie. Attends, stylo, s'il vous plaît. Je dois avoir un stylo. Il en a. Non, j'en ai là. Merci. Ami Samuel. Samuel, bienvenue en Algérie.